n'apprends rien personnellement de l'arrivée de François Hollande à la Guadeloupe en qualité de candidat à la présidence de la République. Je suis parlementaire depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais entendu François Hollande intervenir dans les moments difficiles qu'a connu la Guadeloupe, notamment après les événements de février 2009. Aujourd'hui, François Hollande, qu'il soit élu ou pas, ou quelle que soit la personne qui sera élue, sera obligé de mettre en place le plan de récession obligatoire pour sauver la France. Et nous avons vu que si l'Allemagne s'en est sortie, si l'Allemagne tient encore la route au niveau de l'Europe, c'est par justement les débats parlementaires en Allemagne ont permis d'appliquer la retraite à 67 ans. Et qu'est-ce que François Hollande nous apporte comme promesse? La retraite à 60 ans et l'embauche de nombreux fonctionnaires. Ce sont encore les chants des sirènes.